Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le jour 7 des survivants, je suis en compagnie d'Akilou, salut Akilou, je galère. Salut tout le monde, salut Sailor. Et donc, alors le reboot là, Electro, on va bouger très rapidement, je vais aller aider Akilou, tu vois deux mecs armés, c'est ça? Ouais bah là j'ai un mec armé qui arrive vers Electro, je vais le prendre en filature, il y a son pote là qui est... Son pote il est juste à côté de moi genre avec sa hache, il fait genre il m'a pas vu. Ok, moi j'arrive derrière l'église d'ici 20 secondes, je vais aller chercher du stuff et je vais venir vers toi. Donc cet épisode là va être très très mouvementé, on commence déjà avec de l'action et... Oh là là. Et... Je le vois là, je suis en train de le suivre. J'ai changé de skin d'ailleurs, attention j'arrive derrière l'église. Ah fils de pute. Mais c'est Rodolphe. Vas-y. Vas-y tu. Donc, on a confié Rodolphe qui a déjà fait son. Comme vous voyez, Electro il s'est stuffé, hein, t'avais rien et tu t'es stuffé complètement. Ouais, hein. Mais il y avait Twitter. Enfin, non, je suis même pas sûr sur un Twitter en fait, parce qu'il avait des trucs à peu près convenables. Mais bon, il avait une M16 et tout, donc je me suis pas privé. Tiens, ah, bah, viens, voilà, ici. Mm-hmm. Prends le sac de monsieur là, ainsi que son AK. Couvre-moi par contre, il y a du zombie partout. Oula, ah oui, effectivement. Laissez-moi un AK de côté. Tu as fait les choses à moitié, toi. Donc l'AK, j'ai plus le chargeur parce que je les ai perdus, et prends son sac aussi parce que le sac il était bien blindé. C'est un patrol hein. Ouais, vas-y prends. Non ah, non, exact. C'est pas un patrol. Oui, si c'était un patrol, c'était un patrol, il y avait des... Un Svec ou je sais plus quoi. Ah non. Check backpack. Sûr que non, c'est un patrol mais il y a... C'est bon, j'ai eu les blue bags en plus, je te confirme que c'est un patrol. Le mec arrive, on arrive à Electro là, okay, hein, avec, arrive. Avec mon pote là. Hostile ou pas, enfin au pire on leur fait un... Non non mais en fait là il y a cassé le mec. Y'a un mec qui est passé. Ça. Où ça, caserne. Hey, stop, arrête-toi. Ok, vise-le, s'il nous tire dessus, on le dégomme. Il rentre, c'est parti, on le chope. Il nous faut son stuff. Oh, qu'est-ce qu'on fait, on le dépouille, t'es où, Rodolphe? Attends, j'arrive. T'es où? Mais dis-moi où t'es, si t'es avec moi, faut pas que je me sois... Je vais rentrer dans 3... Non. Putain, je suis bloqué par des zombies. 3, 2, 1, je suis à l'intérieur. Oh, je suis là aussi. Hey, allô. Ah, il a une arbalète. Ouais, c'est bon, il a rien. Non! T'es sûr? Mais attends, il avait une arbalète et il allait me tirer dessus. Et moi, j'ai obligé de me faire un bandage. Ouais, il a fait l'erreur. Putain! Rodolphe, le psychopathe! Pour ceux qui connaissent pas Rodolphe, vous avez déjà pu le voir peut-être sur ma vidéo. Sur la rediff du live, il est expéditif. Ah, oh, mais oh, t'es sérieux? Vas-y, tu satures! Ça sature? Ouais, tu satures. Ouais. Ah, faudrait que j'aille récupérer. Oh, le mec est là, il est là. Putain, il a un M16 et un pistolet silencieux. Oui, dis-moi. Il est à droite de la ville, à droite, oh, dans la petite grue et isolé là. Ok, on y va, ok, je vois où c'est, sort dans l'électro. C'est parti, Rodolphe, on y va. T'es où? Genre à Dracon. Je suis debout là, genre je fais comme si que je. Ah, je te vois, ok. Et hey, Rodolphe, waouh, hey, ça a été. Il arrive, hein. Vraiment je suis avec lui là. Vous devez le buter, il a un M16 silencieux et un pistolet silencieux. Ah, vers lui. Venez là, vers l'eau, il est sur la plage. Il est sur la plage, les gens. Ok, on y va. Ok, bon, autant je cautionne vraiment pas le meurtre de l'arbalète, moi je voulais le laisser tranquille. Ah, il est en train de nager pour faire le tour, je fais genre je l'ai pas vu. Dans la tête, je pense que je l'aurais mal pris, je t'avouerais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense pas qu'il était hostile justement, vu qu'il a vu qu'on arrivait vers lui. C'est pour ça que je voulais le laisser tranquille, mais bon, tu vois. Vous arrivez ou quoi par la plage là? Ah, il en arrive, mec, tranquille. Vas-y là, je veux son arme. Aiki, je vais te mettre la fessée, hein. Vous êtes où là? Mais quand je dis la plage, c'est vraiment ça, il touche à l'eau, hein, et là il a les pieds dans l'eau, le mec. On arrive sur la plage là, on arrive. Rodolphe, s'il va découvrir comme ça et qu'il est loin, le mec, on risque de se faire plomber. Il est loin, mais il a son pistolet de sortie là, il va pas faire grand chose. Ok, je suis en train de le perdre là, attends, je repars vers lui. Nous on va lui tomber dessus de toute façon. Vas-y. Ok, autant ce meurtre là, je le cautionne tout à fait parce qu'apparemment il est bien stuffé. Et ouais, il est bien stuffé. On a besoin de son matos quoi, mais. Vas-y, c'est bon, on va pas demander l'avis de la cour martiale pour tuer un mec, hein. Bah, de toute façon, c'est sûr que dans les commentaires, il y aura. Non, c'est pas par là-bas, c'est la grue de Dracon, viens. C'est pas par là, Rodolphe. Ok, on est sur la route là, on va vers la maison rouge. On est sorti de la plage là, on va vers la maison rouge. Ok, bah reviens. Ouais. Reviens. On est sur la route là. Autant sur les commentaires, si ça se clash pour le meurtre de l'arbalète, ok, je suis d'accord, mais bon, vous pouvez pas. Autant le meurtre qu'on va peut-être faire là, il est plus ou moins légitime quoi. Donc, de toute façon, il faut du stuff pour Aiki. Et c'est des aides, c'est pas les bisounours quoi. Ah ouais. Attends, mais je le garde en visuel, mais je suis en train de saigner, donc faut que vous vous grouillez là. Non, mais là on a la maison rouge dans 50 mètres là. On est sur les rails là, venez sur les rails. Oui, on est tout près des rails, fais gaffe. Restez sur les rails, vous allez me voir et je vous montre. À droite. On les intercepte, Rodolphe. Je le garde en visuel, je suis sûr il m'a vu, mais genre il fait genre il m'a pas vu. Restez sur les rails. Hein. Ouais, je suis là où ça monte, on va lui tomber dessus, mais pile, t'es où là, Rodolphe? Je suis resté à côté derrière l'espèce de brique. Je les attends sur les rails. Ah, tu les attends?
Ouais. Moi je longe les rails là, plus ou moins. J'ai peur. Vas-y, je me fais un bandage. J'ai peur de tomber sur eux du coup. Non mais je suis sur les rails, là il est dans, à côté d'une maison, faut pas que je les perde de visuel. Vous êtes loin là non? Il est plus vers, les terres ou plus vers les rails? Vers les plages, vers les plages. Je le vois courir, ouais. Je vois les zombies qui courent, ok, ils sont à droite là. Tu vois la petite forêt Rodolphe, là où je suis? Ouais ouais, je vois. Bah ils sont à droite, côté plage, hein. Vous êtes côté plage là. Ok, tu le vois? Ouais je le vois, je les retrouve en visuel, là on est côté plage. Ok, viens on leur tombe dessus parce que sinon ils vont nous avoir. T'es où Rodolphe? T'inquiète, t'inquiète. Il s'appelle Nautilus, il a un M9 silencieux. Et un M16 silencieux aussi. Faudrait que je me remette le moment où tu mets deux balles dans la tête du... Ah, allez. Je le connais en plus, je le connais Nautilus. Bon, c'est pas grave. Enfin, je pense le connaître, je pense que c'est lui. C'est le mec à qui j'ai offert une copie d'Arma 2. Bon bah voilà, bah charge de revanche. Voilà, c'est moi qui t'ai acheté ton DZ, je vais te tuer. Comment il s'appelle le mec ? C'est lui, hein. Nautilus, on est vers la plage. On va essayer de lui faire un give me your stuff, mais genre, vu qu'on est deux, tu vois. Attends, on lui fait l'embuscade, c'est bon. Toi, vu que t'as je vais lui parler. Vu que t'as... Salut, j'ai pas d'armes. Attends, Rodolphe, j'ai pas d'armes. Rodolphe, t'es où? Faut vraiment. Je bats de loin. Non, faut que tu viennes. Bonjour. Tu l'exécutes, s'il tire, tu l'exécutes et sinon on essaie de le dépouiller. Attends, il est AFK là, il va se faire. Attends, il est AFK, il va se faire bouffer par les zombies. Je lui ai amené des zombies là, je vais le buter moi-même, sans armes. Rodolphe. Allez, bouffez-le lui. Viens, je te. On est moi, là, à côté de la plage. À côté de la plage. Suis-moi, je suis juste devant toi, arrête tes conneries, je suis devant. Ah, il s'est téléporté. Attends. Devant toi, gros. Il y a eu un gros lag là, je l'ai vu se téléporter. Ça lag. Rodolphe, il bouge plus, bouge pas. Ah ok, je le vois toujours. Il est à la plage là, je le vois, je l'ai gardé en visuel. Je te vois Rodolphe. Je suis derrière toi. J'ai vu ton nom là. Je te vois derrière, je viens derrière toi là, sur le sentier, sur ta gauche. Je suis là. Ok, viens. Mais c'est bon là, j'ai compris, ouais, je le vois se téléporter le mec. Il est où le mec? Je l'ai perdu 18, c'est pas. Je te vois pas mec. Mais je suis passé devant toi mec. Mais ça lag, ça, c'est normal qu'il te voit pas, donc voilà. C'est impossible, là je te vois pas du tout. Il te voit pas, ça lag. Là, je suis là. Je te vois. Fais gaffe, y'a un mec qui vient derrière toi. Ouais, quoi? Tue le zombie. Kylian, je sais pas quoi. Y'a un mec derrière moi, t'es sérieux là? Je crois, hein, j'ai vu un nom. Un nom blanc, pas un nom. Un nom blanc? Un nom blanc? Genre, Luc, sur vert, c'était blanc. Putain, j'ai perdu le mec. Oh, vous êtes lent là, c'est ouais. Bon, moi je m'amène en ville. Ouvre les yeux, vas-y, bah viens, Rodolphe. Bah, t'as perdu le mec, tu veux qu'on fasse quoi? Ça lag. Non, mais vous avez mis 2 ans pour arriver, vous étiez à l'électro. On est juste à côté. Là, je suis derrière les gens, au milieu de la ville, quoi. C'est bon, je rentre. Ok, je l'ai en visuel. Il est là. Il est où? Dis-nous. Oh, y'a un mec en ghillie suit, là, c'est un autre. Dis-nous où, mec? À l'intérieur de la ville, vers la plage, derrière l'église. Moi, ils sont deux. Ils sont tous les deux ici, derrière l'église, sur la route. Ok, je les vois, c'est bon. Tu les vois? Non, mais genre la route. Oh non. Je vois 310 mètres, attends. Oh putain, ça lag à bloc. Oh, ça lag. Il s'appelle John. Eh, mais je suis derrière John Locke là, c'est qui John Locke? C'est moi, John Locke. Ok, y'a un mec en ghillie suit qui était à 5 mètres. Y'a un mec. C'est Rodolphe. Ok, d'accord, c'est vous deux les mecs en ghillie suit et tout. Et du coup on a perdu le mec que tu suivais. Du coup, c'est. Oui, il s'est téléporté. Ouais, mais ça lag à bloc. Ah ouais, il s'est téléporté le mec, fais gaffe. Ah bah, du coup, on se stuff, on se casse d'électro parce qu'on va pas passer. Y'a des mecs à l'église dans ma gueule, parce que j'ai vu des noms. Là, y'a le serveur qui se met à laguer, je sais pas si c'est pour vous aussi, mais laguer au niveau FPS quoi. Ouais, ça lague violent chez moi. Ouais, ça a commencé à laguer tout d'un coup niveau FPS comme ça, c'est chelou. Non, moi ça va. Je dois être l'extrême. Position. C'est bon, ça lague plus. Adolphe, position. Je suis dans l'église. Ok, j'arrive dans l'église. Et je sais pas où ils sont les mecs, je voyais leur nom, UH. Je vais à l'école là. UH, c'est un hélicoptère non? UH1H, c'est l'hélicoptère, ouais. Ah, parce que j'en vois un dans ma vue. J'entends. Attends. Non, j'ai cru entendre un hélico. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la caserne là, Rodolphe? Au-dessus, y'a un cadavre là, y'a un cadavre qui s'est fait tuer. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi. Y'a des mecs vers l'usine là, vers la caserne-usine, hein. Moi, c'est. Ah non, caserne-usine. Mec, monte vers le nord, y'a forcément un. Je vois UH1H depuis tout à l'heure. Faut qu'on arrête de se séparer, les gars là, c'est pas moi. Moi, je suis à l'école. C'est simple, il faut qu'on stuff et qu'on se barre d'ici, électro c'est... voilà. J'ai pas de stuff moi. Je cherche des armes, bon. Vous en avez pas laissé quelque part? Là tu t'as la force. Hélico, au nord. Y'a un hélico? Venez. Ok, j'arrive. Ouais, mais genre, hélico où y'a personne dessus? Je sais pas, là je vois personne là dessus, mais j'ai peur de me faire chuter. Vas-y, on bute, vas-y, on descend, vas-y. Enfin, vous le descendez, moi j'ai pas d'armes. Bah moi j'ai un Makarov quoi, et de toute manière... Plus vers la gauche. Je vois du mouvement à l'usine, c'est toi? Non, la gauche, il y avait déjà du mouvement, fais gaffe, y'avait mec. Il y a peut-être des snipers à l'église, il faut aussi qu'on prenne ça en compte. À l'église. À l'usine. Ouais, à l'usine, je t'ai dit, il y a du mouvement qui va vers là-bas. Rodolphe, t'es où exactement là? Parce que je suis perdu moi. Je suis à gauche, t'ai dit, à gauche, faut que t'ailles plus vers la gauche. Et l'hélico, il est où? À gauche.
Mais genre bien visible parce que je vois que dalle. Ah il est mort, c'est un crash. Oh je le vois. C'est un crash ça, t'es sérieux? Non, pas un crash d'hélico mais un hélico réel qui s'est crashé. Un hélico crashé ouais. Ah ouais, ah c'est dommage. Mais il a pas l'air mort hein, pourtant. Bah il y a rien qui est bon. Ah mais on peut le réparer alors. Enfin il est quand même... Par contre, des noms à côté de l'hélico et ça ça me fait flipper. Oui oui, il y avait des mecs qui se dirigeaient vers l'hélico hein, je les ai vus. Ils ont été à la caserne d'Andy, on va les choper. Ouais, go. T'es où? Je suis en train de marcher vers la caserne. Merde, j'ai même pas eu le temps de me faire un bandage, j'arrive vers vous là. Je visite la maison rouge et j'arrive. J'ai la manie de recharger moi. T'es pas le seul, moi on me floute sur les commentaires, arrête de recharger. Ah, sur le toit, sur le toit. Oh, je vais me faire sniper, y'a un mec sur le toit. Y'a un mec sur le toit. Toi de la caserne, Rodolphe. Paul a ouais, été tué. Il s'appelle Paul. Paul. T'es où? T'es Rod? Je suis dans la caserne. Non, mais non. Et je te parle pas de la caserne près de l'église. Hop, t'es mort, victime. Je te parle. Ah, l'église. Tu l'as tué? Il a tué. Il a tué. Attends, je vois un mec armé. Est-ce que c'est Rodolphe? Tu vas te faire tuer. Y'a un mec qui va dans la caserne. Je sais pas si on parle de la même là. Caserne près des collines. Non, moi je suis la caserne église. Mais, ah, mais viens, c'est n'importe quoi. La caserne près des, il y a plein de mecs armés, faut que tu viennes. Ah, il y a un mec qui monte sur le toit. Oh là là, fusillé en plus. Ah bordel, j'ai besoin d'aide, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie je de chercher une arme. Reste à couvert, garde-les en visuel et. Je suis pas au cul, je saigne. Rodolphe, s'il te plaît, viens avec moi. Quoi. J'arrive, mais le problème c'est que je suis bloqué dans la caserne avec par des zombies là. Vas-y, j'ai un Makarov. Putain, y a plein de mecs armés à la caserne, ils complètent un truc, je pense que c'est eux qui ont l'hélico, faut qu'on aille leur tomber ouais, dessus. Ouais, ils veulent réparer l'hélico, je pense. Casse-toi, toi. Ah putain, j'ai besoin d'aide, je vais faire un coma là, Ah, j'ai pris un blue bag, Merde, il est tout près de moi, et ça lag. Oh, friendly, tire pas. Don't shoot. Non, ouais. Pourquoi il parle d'hélico? Ouais, je me casse. Il parle d'hélico? Ah, je suis derrière toi, tire pas, gros. Je suis derrière toi, tire pas. Je vais à la supérette là, y'a que dalle. Crowbar. Vas-y, les charognes, ils ont tout pris dans la supérette. Tu veux réparer l'hélico? Ok, c'est bah pas de soucis. Ah. Oh les gars, le tuez pas, il s'appelle Kylian, bah c'est Kylian. Je suis avec des gens, donc t'inquiète, on va rien te faire. Ouais, on va rien te faire. Tu me soignes. Enfin, Rodolphe, bon. S'il croise sa route, c'est clair. On a parlé de ce que ça faisait de faire copain en vidéo. Hein. Non, mais il veut réparer l'hélico, le truc c'est que on va l'aider et on va le prendre quoi. Hop. on le prendra avec nous, le mec, on le dépose où on veut. Mais... C'est qui lui? Hey, c'est moi! C'est moi, t'inquiète. Je sais pas si c'est toi, par contre, je pisse le sang depuis. Oh, vas-y, je te soigne, vas-y, rentre dans la supérette. J'ai une transfusion. Mon micro, il sature pas trop parce qu'il faudrait non, que non, je règle. C'est nickel là, c'est bon. C'est juste au début en fait. Ah, help. Attends, help. Je te bute les zombies. J'en peux vraiment plus de ces connards. Ça va, tu vises bien. Il va te faire foutre. T'as pas vu comment il bougeait. Vas-y, grouille-toi parce que là, j'ai pas de munitions illimitées. Hein. Ah, j'ai mis une balle dans la tête. Vas-y, fais-moi une blood, cousin. J'en ai dans mon sac. J'en ai une c'est aussi, bouge pas. Il faut des bandages aussi si t'en as en stock. Faut vraiment, que... on passe à l'hosto alors. J'ai pris vraiment strict minimum, genre une blood et un bandage quoi. Moi j'ai plein de trucs, moi, vous inquiétez pas. Enfin, non, pas tant que ça. Et dans ton sac que t'as récupéré sur le mec, t'en as plein, Média. Des bandages? Non, des blood. Des bandages. Des blood, je sais. Non, des bandages, j'en ai pas. Vas-y, on va vers Rodolphe là, il est du côté caserne. Vous êtes à la supérette? Ouais. On sort. Je tiens quand même à vous répéter que là j'ai croisé un fusilier gentil, mais il y avait des mecs avec des AKM et tout qui sont à la station près des collines. Ah sérieux? Bon mes amis, mettez-vous derrière le bar, on se fait des bloods. C'est toi ça? Ouais c'est qui ça? C'est moi. John Locke, Bob. Okay. John Locke, c'est bon. Ok, bah. C'est toi qui arrive en ghillie-suit? C'est toi qui arrive en ghillie-suit là derrière le bar? C'est moi. Ok, c'est bon. On se fait des bloods. John Dupont, vas-y. Ah bon, merde, qui c'est qui a pris de bandage? Non, viens à couvert, viens dans le bar, je vous couvre, restez dans le bar. Non, ça a disparu, je vais prendre des bandages. Tu veux une blood, s'il te plaît? Il y a des bandages aussi dans le couloir, si tu veux. Allez dans le bar. Moi, je suis à l'arrière, moi, du bar. On va prendre l'étage. Vas-y. C'est bon, les zombies chelous, on a compris, hein. Y a quand même l'hélico qu'il faudrait choper, ce serait vraiment pas mal. Bah, en fait, le truc, c'est que l'hélico, pour le réparer, c'est voilà, quoi. Rotor, moteur, scrap metal. Bah, apparemment, ils sont pas mal à essayer de s'y mettre, mais voilà, bon, le problème, c'est que... Si on convoite aussi l'hélico, on va devoir les affronter. Donc, Tu veux bien un blood, s'il te plaît? Je sais pas si t'en as sur toi. Ouais, attends. T'en veux une aussi? Non, c'est bon, on me l'a faite. Allez, qui me l'a fait? Je vais y aller en scred, genre je vais mettre mon arme dans mon sac, je vais faire l'innocent et je vais voir. Je vais leur parler un peu.
Ouais, mais par contre, Rodolphe, s'il te plaît, évite de. Enfin, en fait, toi, t'es l'arme, tu vois. Dès que tu vois. L'arme fatale. Dès que tu vois que c'est hostile ou que tu vois qu'ils veulent nous en tuer, tu tires, quoi. Mais sinon, on essaie de rester négociateur, quoi. Parce que, genre, évite de refaire le coup que tu nous as fait dans la station. J'ai envie de tuer un, mais exactement au même endroit qu'il y avait un gun qui me visait. Ouais, mais s'il a un gun, à la limite, d'accord. Mais s'il a une arbalète. Ça va, une arbalète, ça one. Enfin, ça one shot pas, mais voilà, quoi. Ça va. C'était une menace. Ouais, mais potentiel. Le mec en état. Ouais, enfin, bref, allez. Non, moi, j'aime pas quand ils me visent, en fait. Moi je considère que les mecs, si t'as pas envie qu'ils te. Ouais. S'ils ont envie d'être friendly avec toi, faut qu'ils baissent leurs armes. J'avoue, tu vois un mec, on joue sur toi là, voilà quoi. Quand tu t'appuies deux fois sur contrôle, ça baisse ton arme et là t'es bien. Là tu peux parler. Ah, je sais même pas moi. Si. Ça baisse ton arme et là on est Est-ce qu'on va à la station, Rodolphe? Il va avoir bien. Moi je vais à l'usine là. Ouais, on y va tous. Et il va partir. Le salut, tu sais, le salut militaire. Ouais, je fais quasiment jamais. Aiki, tu fais gaffe. Je rush. Il y a des gens armés, je déconne pas. Attends, il y avait un mec sur le toit. Il y avait un mec sur le toit, je sais pas s'il est encore. Hey, je peux rentrer, j'ai pas d'armes. Désolé pour la chute de fait. Il y a du monde? Il y a des gens? Bonjour, j'ai pas d'armes. Ils sont combien? Il y a personne. Je suis juste en train de prendre des précautions. Merde, faites gaffe, ça lag. Il y a un gros coup de lag, faites gaffe. Non, pas moi. Enfin, lag niveau connexion ou. Niveau, je vous vois courir dans des murs donc. Ah ouais, merde, ça sent pas bon ça, j'aime pas quand ça sent. Ah putain, je suis trop à découvert en plus là. J'ai une idée. Je sais où est-ce que je vais aller. Je vais dans la petite pièce moi. Moi je vais monter la cheminée. C'est toi qui. C'est qui Anguilisus qui. Ouais, d'accord. C'est moi ça. Tu t'es téléporté. Ok, c'est revenu, c'est bon les gars, c'est revenu. Est-ce qu'on rentre? Il y a un sac de sable là. Allez-y, moi je vais vous couvrir. Putain, c'est qui Anguilisus? C'est Rodolphe. Dedans? Ouais. Ok. Bon, ils ont dû bouger vers l'hélico, qu'est-ce qu'on fait? Il est où d'ailleurs votre hélico là? Il est au-dessus de la caserne de à côté de l'église. Ok, ouais. Au-dessus, je l'ai pas vu. Bon bah je redescends alors, ça sert à rien que je. Si je pourrais vous. Ouais, je pourrais être utile. Enfin, je vais essayer, attendez. T'as toujours pas d'arme toi? Je les vois courir vers là-bas. J'ai un Makarov moi. Ouais, je les vois courir vers l'hélico. Ok, on y va. Oh là là, ça risque de partir en live. J'annonce déjà que ça risque de partir en live là. Attends, je vais monter tout en haut de la cheminée. Rodolphe, laisse-moi passer devant. Moi j'y vais. Tu vois, ils ont moins peur de moi vu que tu vois, quelqu'un en ghillie, on a déjà peur de lui naturellement, tu vois. Je m'approche d'eux et si je me fais des gommes, je tire. Je cherche l'hélico en visuel là, mais je le trouve pas. Si, suis-moi quand même d'assez près, suis-moi de vachement près que tu puisses avoir un champ pour tirer si ça va en live. Ah, je les vois. Enfin, je vois un zombie. Oh, avec le tonnerre et tout. C'est Kylian, cool. Je vois Kylian, il est dans l'hélico. Vous partez vers la ville là ou à l'opposé de la ville, les mecs? On part à l'hélico vers la ville près de la station de pompiers. Près de la station de pompiers? Ah, je le vois l'hélico, d'accord. Genre vers le nord. Ah, d'accord, il est là-bas. Tire dessus. Les gars, je suis friendly. J'entends tirer au Lianfield. Ouais, c'est un Lianfield. Je crois qu'il est tout près de toi, le mec. Ouais. Ah, non, il est plus vers la ville là. Attends, j'ai vu quelqu'un dans la ville là. Attendez. Rodolphe, t'es où? Tu me suis bien là? Je te suis à moitié, mec. Vas-y, bien, suis-moi. Ça tire vers la station de pompiers. Ouais, ça tire au Lianfield vers la station de pompiers. Attends, je regarde là au niveau de la supérette et tout. Je vais vous rejoindre là, je pense. Ouais, il est tout près de moi, le mec. Ok, il est tout près de moi. Menace, je pense. Menace, donc. Putain de merde, je pense. Zombie de mes couilles. Où est-ce que ça tire? J'ai vu les tirs. Côté de l'hélico, ça a tiré. Je vous vois là, ouais, je suis. Ah, il y a Kylian qui est sorti, hein. Non, il est dans l'hélico, Kylian. Je pense qu'il est sur la MG, je pense, donc fais gaffe. J'avoue. Ça tire à la station de pompiers, on fait quoi? On y va? On dit qu'on est frère. Je vois pas le mec à la station de pompiers, ça me paraît bizarre. Il est dedans. Hop, je vois pas. Ah, bah, je rentre. Viens avec moi. Ouais, vas-y, je descends, je rejoins. Dis les gars, friendly. Vous êtes où? Y'a pas de friendly, hein, moi je descends. On y va, il est dedans, c'est sûr. T'es avec moi, Rodolphe? Tu me coupes là-bas? Non, je vais passer derrière moi. Je vais passer derrière tout le monde, je vais pas faire le fou. Ah, je l'entends. Ah, ça tire encore la Lianfield, vous avez entendu? Moi, il est. Ok, je vais tenter. Ah oh, putain, je suis au Makarov. Je risque ma peau. Rodolphe, faudra vraiment que tu sois avec moi pour m'appuyer là. J'y vais. Et merde. C'est toi là qui arrive? Ouais, je te vois. Vas-y, cours, vite, dépêche. J'ai peur de me faire shooter par le. Ah putain, y'a un mec à l'hélico. Il est dehors. C'est Kylian, non? Je sais pas, je vois pas très bien. Et allo, je rentre. Y'a pas allô, de friendly par contre, hein, voilà quoi, y'a un hélico. Bon, c'est bon, je sais, mais je vais pas dire je viens de buter. Une tactique alors. Il a lancé une grenade en haut, je sais pas ce qu'il fout. Stratégie. Y'a trop de zombies. C'est toi? Oh, y'a, ça tire à la sulfateuse là. J'ai une grenade. Allez, mec, je vais faire un carnage, j'ai une grenade.
Viens voir nous. Ah, je sens qu'elle est réservée. Ah, je la balance sur l'hélico, je m'en fous. Rodolphe. Bon, tu vas le tuer, le mec, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais, Rodolphe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Moi, je vais faire péter l'hélico, hein. Y'a pas d'hélico ni pour nous ni pour eux. Je vais péter l'hélico. Sérieux là? Ouais, je suis sérieux. Wouah. Ah, c'est. Oh, les gars. Mette-le, c'est bien. De toute façon, on le réparera jamais. Là, ça va partir en live. Y'a le mec dans. Ça va, il va restart là, par contre. Qu'est-ce qu'il va restart? Ah, ça tire au sniper là. Ah, faut annuler le restart automatiquement. Ah oui, je l'annule, attends, je vais l'annuler tout de suite vu que ça restart dans 5 minutes. Sur le toit, Rodolphe, cover. Okay. Enfin, cover ce qu'on peut quoi, mais parce que. Ouah, ça tire l'AMG. Il est sur le toit avec une AK, le mec, en skin de héros. Eh, hey, tu m'entends, mec? Eh, sur le toit, Holy Enfield. Ok, écoute, je suis friendly, je vais pas t'attaquer. Je suis à l'échelle. Mec, je suis avec un pote par contre. Je suis avec un pote qui est bien armé, mais on va rien te faire. Si, écoute, si tu veux, si t'es pas hostile, tourne-toi, que je sache. Vas-y, j'arrive là, je vais faire péter l'hélico à coup de grenade. Hein. Écoute, je monte, je te fais confiance, j'ai juste un Makarov. Il est où? Ok, c'est toi là-bas, celui qui monte sur le toit. Bon, je suis là, c'est bon, ça tire là. Je suis avec toi. Putain, c'est l'hélico là qui tire. Ah. Est-ce que t'es avec le mec de l'hélico? Ah, ça me snipe là. Putain, j'entends les balles siffler à côté de moi. Bah écoute, y a un hélico juste en haut là. Et t'es pas trop quoi faire en fait en pensant. Il est où? Je vais le réparer, il est où l'hélico? Ok, c'est bon, je l'ai en visuel, je vais aller le réparer avec ma grenade. Je vais pas le réparer, mec, tu veux le réparer avec. Je vais le réparer avec ma grenade. Je suis avec ta grenade, vas-y, ok. Écoute, pareil, je vais t'aider. Rodolphe, attends. Viens, suis-moi, je suis juste derrière toi, Rodolphe. Bah, viens, je descends, je leur dis de pas te tuer. Rodolphe, je suis avec un mec, c'est en. Rodolphe, t'es prêt à tirer? Il y a une file de tue pas, hein, le tue pas. 3, 2, 1, tire. T'es quoi, les gars? T'es quoi? On pète l'hélico. Vous êtes sérieux? Ok, vas-y. J'ai balancé ma grenade, vas-y, go. Vas-y, lance. Attention. Boum. Ah, ils sont descendus, ils sont barrés. Vous êtes sérieux? On les tue maintenant. Ils sont barrés de l'hélico. Ah, vous avez déconné, les mecs, ça va partir en fusillade là. Moi, je vais casser. J'ai balancé ma greu. Vas-y, go. Okay. Oh, juste en dessous de l'hélico, nice shot. Tu vois ce qu'ils font? Ils sont en train de gunfight en haut, je crois. Fais gaffe. Putain, ça tire à bloc. Ça tire, fais gaffe. Casse-toi. Oh putain, moi je me casse. T'en prie, non, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on les rejoigne, ils sont juste là. Ils se sont barrés. C'est moi. Tire pas. C'est bon, il est avec nous, c'est Rodolphe. L'hélico invincible, le mec, l'hélico il est indestructible. Bah, la grenade elle lui a rien fait du tout, c'est terrifiant. Elle est juste en dessous. Ouais, j'ai vu, t'as super bien visé, laisse tomber. Ça tire, faites gaffe, ça tire. C'est qui a tiré là? C'est l'hélico, faites gaffe. Non, mais ça c'est un bruit de sulfateuse, c'est une MK48. Je pensais que c'était celle de l'hélico, mais y'a personne dans l'hélico. Y'a un mec avec une sulfateuse, Nicolas, donc si tu vois un mec avec une sulfateuse autre que nous trois, c'est une menace, je pense, donc sois prudent. C'est qui lui avec le fusil à pompe? Avec le fusil à pompe, c'est pas nous. En bas là, y a un mec en skin de héros, il s'appelle Nicolas, et il est avec nous. Donc. Attends, y'a un mec là! Avec une arbalète! Sans moi. Reviens. Allez, on se fait tirer dessus, là, on peut rien c'est faire. C'est bon, c'est bon. Ah, mais les gars, vous avez déconné avec la grenade aussi. C'était quoi ce plan foireux là? On voulait faire péter les. Ça tire. Ils sont au snipe. Bah, je pense que c'est une mauvaise idée. On risque de se faire tuer. Non, je suis pas Ikilio, moi, je suis Bob. Je suis Bob. Bob. Fais gaffe. Ah, je pense qu'ils sont au snipe. Hein. Non, je te jure, ça tire de partout. Laisse tomber. Pense sur MG, ma gueule. Hein. Oh putain, ils sont encore dans l'hélico? Je crois, ouais. Fais gaffe. Comment ça, on a tiré une grenade, ils sont barrés. Eh, les mecs, ils ont pas. Vas-y, moi je vais les dégommer, hein. Je m'en fous, Rodolphe. Mais c'est quoi ce plan là? Mais voilà quoi. Non, mais je les vois pas, c'est tout, hein. Sinon je leur tirerais dessus. Là, tu vois l'hélico. Ah, d'accord, Rodolphe, en fait, t'es. Ah, d'accord. Ok, j'arrive. Ils sont partis à droite de l'hélico. À la droite de l'hélico. Je les ai vus sortir dès que j'ai balancé ma greu. Genre, les mecs, ils ont un détecteur de grenade. Vers l'ouest ou l'est? Vers l'est. Bah, attends. Y'en a un derrière toi, c'est Sailar derrière toi? Oui, c'est nous. On est trois là. C'est bon. L'autre mec il est avec nous. On va être 4, j'arrive. Ok, y'a Iki qui arrive. Il va nous rejoindre là, on va être 4. Ça tire encore. Putain, il m'a tiré juste à côté de moi. Ah putain, je suis pris une balle, on prend des balles. Cassez-vous, ma chère. Ça tire, j'ai pris une balle, ça tire, on se fait tirer dessus. Courez, on se fait sniper les gars. Rendez-vous la caserne, vite, courez. Les plans foireux à la con. Ça tire au AK-47. Ouais, ça tire. Il est en direction de l'autre caserne après des colis. Il a l'autre caserne, j'ai entendu. Les mecs, on va aller le dégommer. On se retrouve à la première caserne, non? Vous venez pas? Deuxième, enfin l'autre. Ok. Attends, les mecs. C'est moi. Ok, c'est Ikilio. Ok, c'est bon. Bob, c'est Ikilio. Personne tire, c'est bon. Il est avec nous. Nicolas aussi, il est avec nous. Eh, hey, Nicolas, donne-moi ton arme. Non, c'est bon.
Ok, okay. Oh les gars, qu'est-ce qu'on fait? On y va à 4 là, on le dégomme celui qui nous a tiré dessus. On se sépare, ça sera mieux je pense. Parce que s'il nous met un full dans la gueule, on va pas kiffer. Ok, bon. Ah, à l'église, il est pas avec nous. À l'église, ok, go. Avec l'arbalète, je l'ai vu. Avec l'arbalète, ouais. il est friendly. Ouais, bon, mec, je te tue pas par contre, c'est pas de me tuer. Ah, y'a beaucoup trop de zombies, ok, qu'est-ce qu'on fait? Rendez-vous le bar, on fait un pont au bar et ensuite on y va. Vas-y, go. Bien le serveur qui lag. Par contre, les gars, au niveau de la longueur de l'épisode, je pense que ça commence à être bien mouvementé là. Bah, on va finir. On va finir l'épisode au bar, hein, et on fera la suite après. Quand je veux dire, on filme tout de suite. Ouais, mais voilà. Nous, on enchaîne le tournage. Allez, ça tire là, c'est qui me tire dessus? Oh, non. Silencieux. Ah, non. Attends, viens. C'est toi qui tire au silencieux là, Rodolphe? Ah, ouais, t'inquiète, je tue des zombies. Aïki, Rodolphe, vous faites quoi? Vous venez ou. J'arrive au bar là, j'arrive au bar. Ok, ils arrivent dans le bar, on les attend et on part tous ensemble. Vas-y, je suis là. On est là. On coupe la vidéo les mecs, bah du coup Bah on se retrouve bientôt pour le prochain épisode quoi. C'est pas, on vous fera un teaser vu que nous on va continuer, on vous fera un teaser du prochain épisode pour encore plus vous donner envie. Oubliez pas qu'il y a la vue de tout le monde sur nos chaînes, ouais. Donc voilà. La vue de Titi, la vue de Sylar sur nos chaînes respectives, Rodolphe il est sur ma chaîne donc vous verrez pas sa vue. Et voilà, allez, salut tout le monde. Ciao. Attends, je peux le démonter ce truc là je crois.